Hey yo les gars, c'est Bruce. Il se passe un truc de ouf. Non, ce soir il se passe vraiment un truc de ouf. J'espère que vous êtes au courant, j'espère que la plupart de mes abonnés sont au courant parce que ce soir, c'est la reprise de la NBA, la National Basketball Association. Dans la nuit de ce soir, il y aura lieu le premier match de la saison NBA à ne rater pour ne rien au monde, la saison 2016-2017. Moi je vous le dis, ça va être un truc de malade. Avec tout ce qui s'est passé la saison dernière en NBA, ce serait un sacrilège de rater la première soirée. Avec tout ce qui s'est passé, le départ de Kevin Durant pour aller chez les Warriors, leur ennemi juré de Oklahoma, l'arrêt de la carrière de Kobe Bryant, qu'est-ce que vont devenir les Lakers, la défaite des Warriors en finale, alors qu'ils avaient battu le record, qu'ils avaient explosé tout le monde, que c'était sûr qu'ils allaient gagner, qu'ils étaient revenus de Oklahoma en gagnant 3 matchs à la suite en playoff, pour aller en finale et pour perdre à la fin, avec leur sentiment de revanche qu'ils vont avoir. Et vous comptez rater cette soirée? Préparez vos cartes bleues, préparez vos abonnements Bein Sport, préparez vos réveils à 2h du mat, préparez vos nuits où vous n'allez pas dormir, tout ça, c'est la reprise les gars, il faut s'y remettre. Donc voilà, moi j'ai mis le maillot de mon équipe pas préférée, juste le maillot de l'équipe que j'avais. Qui a dit que freestyle ne rimait pas avec NBA? Moi je suis freestyler, mais je suis basketteur avant tout, vous savez très bien, moi j'ai commencé avec le basket, j'ai commencé avec la NBA, il n'y aurait pas eu de basket, il n'y aurait pas eu de NBA, il n'y aurait pas eu de freestyle. Donc j'essaie de mettre un lien à tout ça, et pour fêter la reprise de la saison NBA, on a un petit mix des meilleurs freestyles faits par des joueurs NBA. Des fois c'est moi qui leur apprends, des fois c'est d'autres potes à moi freestylers, que ce soit aux États-Unis, que ce soit ailleurs. Donc checker ça, c'est vraiment incroyable, et ça prouve que même les joueurs NBA, ils ont du skills en freestyle quand même, croyez pas. A's for ambition, be what I wanna be. See past the situation that's in front of me. Doubt is an enemy, Zeph, we say fuck 'em. The irony is they inspire me to love 'em. G is past go and ignite the cash flow. And H is put your heart in whatever's your last hope. I as I inspire, but two light the fire. So we be the streets number one supplier. And J is for them Jordans for my niggas when I make it. Give me two of those strange no name kicks. Earth, wind, and fire type, elemental beast that resembles me. And it accounts for LMNOP, cue the track up like, are you impressed? Get your bread, kid, but never let it go to your head. SS for success to be the best. T is teach back what you learn, that's next. Cause you got the power, people fall into every action. W is right out to life with a passion. X is expect to fail. Y cease to dream, even when you ain't catching them Z's, and that's the alphabet. Think they starting to follow me. So A is to attempt to be the change you wanna see. And D is to be different, but tell us what you mean. Like, are you one of them good guys or you one of us fiends? Either way, you gotta eat, Elevate your mind, right? Cause F is for the fine life, and that's how you define life. But I say, G is get back to your home. And H is help the people that done helped you along. Oh yeah, fuck it, we gon' back to F, cause that's for freedom. G is keep your good thoughts, cause buddy, you gon' need them. And H is if your hood stars, buddy, you gon' feed them. Cause it's bad enough when niggas get the check and get to leaving. J is for them jump offs, we wanted as kids. Looking through the glass, seeing the life we wanna live in. M is more money, more problems. And N-O is no P's, and that's pessimistic profits. Q, quit thinking, and are you still with me? And S is stress less than T, it's the infinity U. Is that it's all about you, and that's why your nigga fucked around and left out I. VW is very wise. Donc les gars, voilà, j'espère que vous avez kiffé le mix. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qui pour vous en NBA est le meilleur freestyler. Donc qui pour vous est le joueur NBA avec les plus gros skills. Moi je dirais un petit Stephen Curry pour ses crosses quand même, il a vraiment un toucher de balle de malade. Après peut-être qu'on a vu dans les vidéos que bon, Dwight Howard, je vais quand même vous enseigner 2-3 tricks pas mal. N'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires quelle est votre équipe préférée, qui est-ce que vous voyez gagner le titre cette saison, quel est votre joueur préféré et pourquoi. Et puis sinon, c'est comme d'habitude, vous connaissez, on like, on s'abonne, on partage, on fait tout, on fait tourner à ses potes.